Cause I think I got something possessed in me. No matter what, I'm gonna give what's left of me. I didn't choose this life, it was destiny. Now I'm feeling like a micro psycho. Stand back, cause I'm feeling like a micro. Slim chance, but I'm putting up a fight. Yo les gens, c'est Fatmat80HD, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 30 de Race to the Cup. Au programme, une équipe Eurodivisie, celle que j'ai faite en live. Donc le live qui est disponible en diffusion depuis avant-hier je crois sur la chaîne. Donc je tombe contre une Bundesliga d'entrée, une Bundesliga 3-5-2 avec Reus Aubameyang en pointe. J'ai envie de dire depuis qu'il y a eu la mise à jour, on tombe quasiment que sur ça maintenant sur le live. Donc ça va plutôt bien commencer. Je vais avoir une première occasion assez rapidement dans le match avec Asté qui a fait un petit festival, fin de frappe, crochet, roulette plutôt. Et la belle frappe mais très très bien sortie par son gardien. Ensuite De Jong, belle frappe qui va raser la barre transversale. Les deux seules occasions de la première mi-temps. Ensuite Castaños qui va tout simplement trouver Wijnaldum avec cette belle passe lobée. Wijnaldum, j'ai tenté un contrôle, bon il s'est pris dans le nez, bon c'est pas grave, au final avec de la réussite ça passe. Wijnaldum qui décale pour Lens, pied gauche, un but à zéro, ouais un but vraiment assez bien construit. Interception sur une touche, Wijnaldum, double crochet, petit plat du pied tranquille, 2 buts à 0 assez rapidement. J'ai mis les deux buts très très rapidement, ce qui fait que l'adversaire, bah forcément, ça trotte dans la tête. Mais il va quand même réduire le score assez rapidement, comme vous pouvez le voir. Je me suis vraiment très très mal relancé avec la tête. Puis avec beaucoup, pas mal de réussite, n'empêche, son joueur passe entre mes deux défenseurs. Je ne sais pas pourquoi. Castaños qui va se faire faucher par le gardien dans la surface. Penalty. Je vais changer de tireur. Je vais faire tirer Mertens qui a des stats vraiment très 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 bonnes en sur coup de pied arrêté. C'est dans la lucarne, vous voyez que ça lag et ce n'est pas le rendu. C'est vraiment le ballon vraiment parti au ralenti comme ça. Aubameyang, je vais tenter de le tacler une fois, deuxième fois. Il va centrer sur la tête de Reus. Ça fait 3 buts à 2. Dernière occasion du match, Wijnaldum qui va. Il fait sortir son gardien, le mec en face. La belle frappe, mais c'est à côté. C'est pas dedans, c'était pas dans le cadre. Et au final, ça fait quand même une victoire 3 buts à 2 au terme d'un match quand même dominé de ma part. Vous voyez les occasions, le nombre d'occasions, la possession. J'avais vraiment tout de mon côté. Ensuite, on va entamer le deuxième match de cet épisode et le deuxième match de cette coupe. Je vais tomber contre une très très belle Serie A en 4-3-1-2. Donc un dispositif qui est assez chiant à jouer parce que moi je joue beaucoup dans l'axe. Et c'est vrai que ça m'a posé pas mal de problèmes. Donc là, Castaños, je vais quand même plutôt bien commencer, vous allez voir. Wijnaldum, très belle frappe, mais c'est sur le poteau. Donc j'ai bien commencé, mais avec un poteau. Wijnaldum, tentative de long shot, cette fois-ci bien capté par son Buffon. En même temps, c'était un long shot, mais qui ne redescendait pas vraiment. Donc là, 3 minutes plus tard, encore une fois, donc ouais, c'était toutes les 3 minutes. Le mec, j'ai commencé très très fort ce match. Lens, festival sur le côté droit. Centre de Lens, la tête qui est ratée, la reprise de Castaños vraiment trop écrasée. Et lui sur sa première occasion du match, Muriel qui va s'échapper, qui va décaler Di Natale. Et il n'a plus qu'à la pousser dans le but vide, ce qui fait un but à zéro. Lens qui va lancer Castaños dans la profondeur, Castaños qui va y aller tout seul. Tentative de centre pour Wijnaldum, la reprise mais ça passe juste à côté. Beaucoup de maladresse dans le dernier geste. Fer pour De Jong qui la pique pour Fer qui passe à la puissance. La frappe sous Buffon. Et donc ça fait un but partout. Juste au retour des vestiaires, son Muriel va décaler Di Natale qui va me faire des chutes parce qu'il a marqué. Donc je suis tombé sur un gros kikou. Donc bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de faire mes changements. Je m'étais dit, j'étais assez énervé. Donc je me suis dit, vas-y, je vais faire rentrer Ibra, tout ça, je le défonce. Et je vais avoir beaucoup d'occasions comme vous allez pouvoir voir. Donc là, déjà, première occasion avec Ibra. Scoop turn, la petite frappe croisée, malheureusement trop croisée. Donc ça ne rentre pas. Wijnaldum cette fois-ci qui est lancé, qui va la donner à Ibra, le scoop turn, double scoop turn, grosse frappe, donc ça c'est un peu ma spéciale, en temps normal ça rentre, mais là son Buffon a décidé de l'arrêter, et donc là sur une relance, son Muriel va faire un contrôle, il va rater son contrôle, mais au final ça va l'aider, et il va s'échapper parce que je fais sortir mon gardien comme un autiste alors que j'avais réussi à l'enfermer sur le côté, c'est dommage, j'ai été assez stupide sur cette phase défensive, bon après il m'a refait des chutes parce que c'est un gros kikou. Mais bon, c'est pas grave. Ibra, encore une fois, qui s'échappe. Ibra qui va se décider à faire la frappe, mais cette fois-ci sur la barre. Donc, pour vous dire à quel point ce match, je ne pouvais pas le gagner. Je n'étais pas destiné à le gagner, ce match. Wijnaldum, petit... Je sais pas ce qu'il nous a fait, là, sur son contrôle. Il la donne à Ibra. Ibra sur Buffon. Juste derrière, c'est Ibra qui va intercepter un ballon. Festival d'Ibra, donc le scoop turn. Ensuite, deuxième scoop turn. Mais comme vous avez pu voir au fond...
Bah, il y a un de mes joueurs qui s'est fait faucher. Il y a un de mes joueurs qui s'est fait faucher dans la surface. Donc, penalty. Et c'est transformé par Ibrahimovic dans la lucarne encore une fois. Et bah, c'est là-dessus que se termine ce match. Donc, j'ai perdu. J'ai perdu 3 buts à 2. Bon, vous allez voir les stats qui étaient quand même largement en ma faveur. Mais bon, pas vraiment de réalisme de mon côté. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai recommencé une coupe, toujours avec la même équipe évidemment. Donc là par contre sur ce match j'ai décidé de ne mettre que les buts parce que ça laguait vraiment 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 vraiment. C'était abusé comment ça laguait en fait. Et donc bah je vous laisse les buts. Donc l'affaire qui la donne à Wijnaldum, le magnifique plat du pied à la Pedro Miguel Pauleta, ça rappellera des souvenirs. Wijnaldum cette fois-ci pour Castaños. Castaños qui la donne à De Jong. Castaños qui trouve Wijnaldum encore une fois. Le plat du pied de Wijnaldum pour le but. Lens qui va s'échapper. Lens qui va tirer sur le gardien de Jong qui va la reprendre. 3 buts à 0. Et enfin là avec son gardien, bah, il faisait n'importe quoi avec son gardien. Ce qui fait que Wijnaldum, bah, je la mets de façon stylée dans le but. Je me suis dit, ouais, on va faire un petit truc simple. Et au final, victoire 4 buts à 0. J'ai eu beaucoup d'occasions quand même, vous allez voir les stats, 10 tirs, 7 cadrés, mais j'ai décidé de pas les mettre parce que c'était vraiment incompréhensible, c'était vraiment très très moche. Donc là je vais tomber contre une belle équipe, un 4-4-1-1, une équipe non rare, donc certains, on connaît un peu la difficulté de jouer contre des équipes non rares sur ce jeu, notamment avec le script. Et bah, ça va plutôt pas mal se passer pour moi dans ce match là. Donc là vous avez vu déjà la première occasion, la tête. Ça revient dans les pieds de Wijnaldum. Gros missile pied gauche. Là vous allez voir que c'est le match. C'est Wijnaldum. Wijnaldum sur ce match, vous allez voir ça. Par contre il va vite égaliser, vous allez voir, avec la puissance de Demwingi. Demwingi qui prend de puissance mon défenseur. Fer pour Mertens, Mertens pour Wijnaldum, Wijnaldum pour Castaños qui la remet à Wijnaldum qui cette fois-ci la remet à Castaños. Donc vous voyez vraiment ça jouait vraiment très très bien collectivement, il n'y a rien à dire. Castaños, grosse frappe pied gauche mais bien sorti par son gardien. De Jong pour mon défenseur central, Virgever, je ne le connais pas vraiment. Castaños pour Fer, regardez ça, je me retourne avec Wijnaldum en crochet façon là, et plus gros missile encore une fois, 2 buts à 1. Wijnaldum c'est une tuerie, il a une frappe de balle monstrueuse. Fer pour Wijnaldum. Wijnaldum je rate, qui rate le ballon, mais au final avec de la réussite ça revient dans les pieds de Castaños. 3 buts à 1. Mertens qui va lancer. Wijnaldum qui la donne à Castaños. Castaños qui va avancer encore une fois, grosse frappe mais bien sortie par son gardien. Donc il y a eu beaucoup beaucoup d'occasions dans ce match. Mertens, Castaños, Mertens qui la donne à Wijnaldum, le petit Jean Triangle, c'est magnifique, 4 buts à 1, Wijnaldum encore une fois. Kalas de Jong, Wijnaldum, ça va sur Wijnaldum, Wijnaldum il était intenable sur ce match, je vais pas vous mentir, regardez ça, la roulette, le festival, la très grosse frappe bien sortie par le gardien. Je ne pouvais pas l'arrêter, il a décidé de... Il contrôlait la manette, hein. Moi je vais pas vous mentir, c'est pas moi qui jouais. La tête de fer bien sortie par le gardien. Et donc là, bah, je vais lancer Wijnaldum dans la profondeur. Wijnaldum, le festival, ça va passer. Son défenseur qui a fait un petit peu n'importe quoi. Bien sorti par son gardien. Donc Wijnaldum aurait pu en mettre encore plus des buts. Aurait pu encore mettre encore plus. Mertens, le plat du pied qui passe juste à côté. Interception de Castaños sur le 6 mètres. Castaños, qu'est-ce qu'il fait? Il centre pour son pote Wijnaldum. Ça fait 5 buts à 1. Et Rashkit, Rashkit. Donc voilà, donc j'ai chanté moi-même. C'est pitoyable ce que je viens de faire. Donc victoire 5 buts à 1 sur ce match, hein. Bon là j'ai accéléré la séquence pour pas que ça dure non plus trop longtemps. 5 buts à 1, on voit les stats très 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 largement en ma faveur, 14 tirs, 11 cadrés, seulement 3 tirs pour l'adversaire. Et donc là bah on est toujours sur la même coupe, on est en demi-finale, on va tenter de la gagner cette demi. On va tenter de la gagner, donc je vais tomber contre une très très belle équipe espagnole, une BBVA d'ailleurs, pas espagnole mais une BBVA. Et c'est un match, vous allez voir, qui, comme souvent avec les BBVA dans les Race to the Cup, ne s'est pas trop trop bien passé. Donc l'affaire quand même, tentative de long shot, très bien sortie par son gardien. Castaños qui va avec des petites roulettes temporisées, enfin je sais même pas. Donc là, Lens, regardez ça, je sais même pas comment il a fait pour le rater. En fait, sur ce match, c'était vraiment pitoyable la finition de mes joueurs. Vous allez vous en rendre compte assez rapidement et sur les stats finales. Hein. Donc là, Lens qui encore une fois fait un festival. De Jong, la frappe complètement écrasée, complètement dégueulasse. David Villa qui va trouver Falcao. Alors là, contre-favorable, plat du pied dégueulasse mais qui rentre. Mon gardien qui se trouve totalement, je n'ai pas compris du tout ce qui s'est passé. Juste derrière son engagement, je vais perdre la balle. Il va se retrouver encore une fois en position de 1 contre 1. 2 buts à 0, donc j'ai pris les buts très très rapidement dans le match. Et bah derrière, va revenir. Wijnaldum qui rate ce qu'il mettait tout à l'heure dans le match précédent. Mertens
Mertens le festival, là par contre Mertens qui a fait du bruit, mais bon malheureusement la frappe est complètement claquée. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai décidé de faire entrer Zlatan Ibrahimovic, Blaise Matuidi et c'est Mamadou Sakho, parce que c'est vrai que la défense est pas mal, mais j'avais quelques problèmes avec Castaños juste avant de sortir. Ça c'était juste avant de sortir qu'il va avoir une dernière occasion, mais bien sorti par le gardien. Lens pour Wijnaldum. Wijnaldum là, belle frappe, mais encore une fois sorti par son gardien. Donc son gardien qui a fait un bon match, hein, mais c'était des frappes vraiment pas très dangereuses. Donc là, on voit Zlatan, le scoop turn qui passe avec de la réussite. Encore une fois, un scoop turn de Zlatan qui se fait déchirer dans la surface. Rien n'est sifflé. Lens. Et là, cette fois-ci, c'est pour la tête de Zlatan Ibrahimovic. 2 buts 1. Donc, j'ai réduit quand même le score. Et donc là, il va s'échapper avec Falcao. Il va s'échapper avec Falcao. Je vais tenter de faire sortir Yana, de le faire rentrer. Trop loin à rentrer dans ses cages. Donc, 3 buts 1. Il me crucifie. Et c'est là-dessus que va se terminer cet épisode. Sur une deuxième défaite. Contre une belle équipe, quand même. Une belle équipe. Au terme d'un match, vous allez voir, j'ai eu beaucoup d'occasions, mais vraiment pas de réussite. Donc, c'était Fatma 80 HD. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à la prochaine, les gens. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.